Maurice Zodi, il y a un grand chantier et dans les 5 ans qui peuvent venir, nous dépensons 50 millions de roupies pour moderniser le pays. Quand nous rentrons dans la case, il y a des autres, il y a la poussière, il y a des rangements. Et quand il y a un chantier qui peut venir, un grand chantier, ça peut bien sûr bouleverser le pays, bouleverser nous la vie tous les jours pendant quelques temps, pour la congestion, pour un problème de circulation, pour la poussière. De notre côté, au niveau du ministère, et avec une compagnie qui peut faire la construction, nous pouvons faire tout pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'érangements dans notre vie quotidienne. Nous demandons donc collaboration et patience, tout du monde. Une demande quelque chose qui impactait négativement l'économie, c'est les temps qui nous perdit et aussi l'argent qui lui représentait en termes de gaspillage. Un expert économiste, il fait un calcul, il arrive à peu près 6 milliards de roupies chaque année. Et ça, si nous pas fait un an, il est appelé à augmenter de mois en mois. Le projet de métro express est un target, le peine à retard, malgré qu'il y en a du monde, qui doit mettre bâton dans la roue. Et ce qui rend moi plus triste, c'est qu'il y en a du monde qui motivé politiquement, une servie. À nous dire d'une certaine façon la misère ou la faiblesse de certains citoyens pour pousser pour essayer de mettre bâton dans la roue. Et après, quand ils trouvaient que le gouvernement a raison, finalement, ils logent ce qu'on dit là. Ça veut dire qu'ils sont malheureux pour dire qu'ils ont pour eux-mêmes et qu'ils tout. Ça va malfaiteur là, une quitte zot, une leur zot en plan, comment nous dire. Mais nous là, en tout cas pour faire le travail, avancer, pour faire poser, pour amener le développement. Parce qu'il y a une vision, nous les pays là, bouger, nous pouvons investir massivement dans le projet d'infrastructure, moderniser le système de transport public. Parce qu'il nous voulait avec à un autre niveau de développement. Et ça, il passe obligatoirement par amélioration de nos infrastructures routières. Ça va du monde qui peut être tapage. Hein? Vous êtes bien sélectif aux autres tapages. Vous êtes choisir pour Métro Express pour faire une tapage là-dedans. Aux îles, où vous trouvez. Enfin, moi, les autres vont supposer qu'ils repèrent la guerre pour protection de l'environnement. Supposer. Mais comment dire, l'environnement-là, il existe, existait là-bas. Mais les autres places, qu'on peut faire poser. Les autres connaissent qui m'ont dit à ce moment-là. Mais nous guettons, qu'est-ce qu'ils ont pour faire? Je m'appelle ça, van. Un pseudo protecteur de l'environnement. Tu penses qu'on parle de là?